Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un nouveau glitch qui a été trouvé sur GTA Online. Je parle beaucoup trop vite pour l'introduction de cette vidéo. Bref, donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo et dans la miniature de celle-ci, donc ce glitch est juste trop magnifique. Donc en fait, il marche avec n'importe quel véhicule qui va dans le garage Benny's, même les lowriders. Donc en l'occurrence, moi je vais prendre celle-ci, la Benchy, je sais plus quoi, qui est sortie donc avec la dernière mise à jour. Donc vous prenez votre véhicule que vous voulez au choix, vous rendez dans le garage Benny's. Donc une fois dans le garage Benny's, vous allez devoir aller vous rendre dans les roues. Une fois dans les roues, vous allez dans type de roue. Ensuite, vous allez dans le premier, donc exclusivité Benny. Ensuite, donc vous allez aller chercher la jante qui s'appelle Vague. Donc je vous remonte, type de roue, exclusivité Benny, pardon. Et ensuite, donc vous allez chercher, donc elle se trouve vers le bas, je crois. Oui, c'est celle-là. Et donc vous allez devoir acheter cette jante qui coûte 48 000 et quelques quand même, donc c'est plutôt cher. Une fois que cette jante est achetée, donc vous retournez en arrière, ensuite vous allez dans couleur et vous prenez la première ou n'importe laquelle, vous prenez la noire. Donc vous retournez en arrière, vous êtes dans couleur de jante et vous prenez la couleur noire. Ensuite écoutez bien, vous retournez dans type de roue, vous allez dans lowrider et ensuite vous allez dans jante de série. Ensuite, vous choisissez donc la deuxième, donc Flair ou Flare. Vous l'achetez, donc 6 900 $, vous l'achetez. Une fois que ceci est acheté, donc vous retournez en arrière jusqu'au début. Ensuite, vous sélectionnez couleur de jante. Vous vérifiez bien que vous avez la couleur noire. Ensuite, une fois que c'est bon, vous retournez en arrière. Ensuite, vous allez dans le truc juste en dessous qui s'appelle pneu. Vous allez dans apparence des pneus. Vous faites pneu custom, donc 5 000 $, donc vous achetez. Ensuite, vous retournez en arrière. Ensuite, donc vous allez devoir retourner dans type de roue. Ensuite, vous retournez dans Exclusivité Benny's et vous retournez à la fin et vous remettez les roues que vous avez achetées au tout début, donc les roues vagues. Elles sont déjà achetées, donc vous n'allez pas devoir payer encore une fois. Donc voilà, vous faites quoi? Donc vous retournez à la fin et vous remettez le type de roue vague. Ensuite, c'est là que ça va devenir à peine plus compliqué. Donc vous retournez en arrière jusqu'au tout début. Ensuite, vous allez aller dans apparence du pneu. Ensuite, avec la flèche du haut, vous allez rester appuyé et faire trois fois défiler comme ceci, comme vous pouvez voir à l'écran, trois fois exactement jusqu'à arriver là. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, donc vous faites encore une fois arrière. Et là, comme vous pouvez voir, donc les jantes des pneus font des sortes de petits flashs, un peu comme des néons qui s'allument, s'éteignent, avec une couleur super jolie aussi que je trouve, une sorte de bleu-vert bizarre. Et donc voilà, donc ce glitch peut paraître assez compliqué, même très compliqué, mais si vous écoutez bien ce que je dis et que vous faites exactement ce que je dis, exactement pareil, ce glitch il est super simple. Donc par contre, il coûte de l'argent, quand même beaucoup d'argent, enfin quand même vous allez dépenser quelque chose comme 50 000 $, un truc comme ça. Et le truc aussi qui est très chiant avec ce glitch et vraiment le point, vraiment le mauvais point, le mauvais côté de ce glitch, c'est qu'une fois que vous allez changer de session ou que vous allez éteindre le jeu ou la play, n'importe, enfin que vous allez changer de session tout simplement, et ben en fait les roues, donc les jantes vont rester là, mais ce glitch qui va faire clignoter les jantes, en fait sorte de petite lumière sur les jantes, ne va plus marcher. Donc une fois que si vous changez de session, en fait donc ça marchera plus, et donc vous allez devoir refaire ceci. Par contre, vous n'allez pas devoir payer parce que ça sera déjà acheté, donc c'est le bon côté, mais vous allez devoir refaire ceci parce que sinon ça va pas marcher. Donc voilà, donc c'est tout pour ce glitch, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez la moindre question ou même la moindre chose à dire, ça fait toujours plaisir, je lis tous les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Pour plus de vidéos comme celle-ci, presque chaque jour, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.